aujourd'hui, je compte sur vous pour donner une belle image. Je compte sur vous pour aller jusqu'au bout, d'accord? Aujourd'hui, c'est notre journée importante. On fait ce qu'on sait faire. On se rassure dès le départ. On a la maîtrise totale, d'accord? On voit que le bloc il est bas, ou bien on arrive à faire ressortir le bloc, on ressort derrière, ou bien à un moment donné, il va falloir combiner dans les petits espaces ou faire des différences individuelles, d'accord? Allez, c'est parti. Excellent! Excellent! Bien joué! On a gagné 6-0 contre la Suisse. C'était une équipe qui était en place. Là, ça a parti des demi, ça a commencé à être costaud là. Là, il y a du lourd là. Je veux que des guerriers sur le terrain, que des morts de faim, qui se battent sur tous les ballons. Et surtout calme, quoi qu'il arrive, vous avez compris ou pas? Calme et serein devant le but, calme et serein quand on est sur phase défensive, calme et serein à tout moment. Voilà, on sait qu'il y a de l'enjeu, il y a une place en finale de Coupe du Monde là. À la clé, on démarre comme le précédent match et c'est parti, bon match à vous. Celui qui triche, tant pis pour lui. Mais on se concentre individuellement sur son échauffement. Que du plaisir, bah, je te jure, c'est ça. C'est ça les mecs, allez, nous ouvre le bras. Vous aussi les mecs. Écoutez-moi bien, j'ai pris les meilleurs 2008 de France. C'est vous les meilleurs 2008 de France. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc vous inquiétez pas, moi je suis convaincu qu'on va faire le job. Là le truc c'est quoi? C'est sur l'aspect mental, c'est comment on va gérer la chose, machin, etc. Je vous ai dit, là il y a de l'excitation, c'est un match à enjeu, c'est le plus beau match du tournoi depuis le début, tout le monde attendait ce match-là. Entre deux vraies équipes, deux équipes joueuses, machin, etc. Sauf que malgré ça, on est quand même au-dessus. Et à un moment donné, je sais qu'il y en a qui vont me la faire la différence que j'attends. Vous avez compris ou pas? Ok. Allez. Allez les gars, allez boire. C'était deux belles équipes, deux belles confrontations, l'arbitrage était top. Donc voilà, la France avait un très beau staff, très fair play. Donc je pense que voilà, on a perdu le match mais sans regret. C'est
on a gagné le match. C'est important parce qu'on va en finale. Là, on va dire, pour le football, c'est l'afficherie France-Brésil. On y est là, l'adrénaline est redescendue du match. C'est un match qui stimule, ça. Allez, on va en finale, hein. Le Brésil. Je suis en train de superviser un peu le Brésil parce que j'ai pour mission de regarder un peu leur match et leur performance au vu de ce qui s'est passé lors des matchs précédents. Le Brésil a largement survolé la poule B. Tu dis qu'il est beaucoup basé sur ce qui est l'aspect tactique parce que en termes de gabarit, ils y sont. Donc il ne faudra pas jouer comme quand on a joué contre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre système de jeu. Nous, on joue en 2-4-1. Deux défenseurs, quatre milieux, un attaquant. Et le Brésil, eux par contre, ils vont jouer en 3-1-3. Ça veut dire qu'ils vont jouer avec trois défenseurs, un milieu et trois attaquants. En fait, ils sont tous techniques, ils manient tous très bien la balle. Et ça peut être une diagonale à tout moment. À tout moment, ils peuvent être envoyés. Après, ça joue bien aussi au ballon. Eux, ça va. Eux, contre eux, on va passer en 3-2-2. En 3-2-2 ou en 2-3-2, ça, je suis vraiment très... L'individu a même mis quelqu'un dessus sur le nerf. Ça dépend comment le Brésil vont jouer, parce qu'en première mi-temps, ils ont joué en 3-1-3. Deuxième mi-temps, ils sont passés en 2-4-1. Ah, on va la faire à l'ancienne, hein. Il y en a un qui va se sacrifier. Hein. Ça va être un marquage individuel. Hein. Mais il faut pas lui mettre un combat de puissance. Sur qui? Sur le numéro 9 du Brésil. Il faut lui laisser le moins d'espace possible, il faut le mettre le plus possible dans une zone d'inconfort. Et... Ouais, ça c'est Yanis ou Chris. Et Idja, elle va jouer 10. Après, sur les couloirs, ça va. Ah, les couloirs, il faut aller à 2000. Abraham et Naguib sur les couloirs. Abraham. Aucun ballon. Non, les couloirs, ballon. Les couloirs, c'est Abraham et Naguib. Et Namori va démarrer, je crois, demain. Moi, je pense que ça va être. À un moment, ils auront la balle. Chacun aura son temps fort. Ouais, chacun aura son temps fort. Faut aller chasser. Il faut aller chasser. Mais après, je me dis, Taïs, si tu vas chasser. Mais t'en laisses 3. Si tu vas chasser, mais t'en laisses 3 tu veux pas Ismaël. Hein? Si tu vas chasser, tu veux pas Ismaël. Opponents to defy, all together in one place. Face to face. Vision in my head, keep moving ahead. Can be the winner in the end. The brave remain. Feel it getting closer, waiting like a soldier. It's the calm before the storm. We are the fire, we are the strong. Hold my head up high and giving everything I got. We have to fight, no right or wrong. Everything is ready for the show. My view is cut and we'll keep on running. And we'll keep on fighting. Live your dream, you'll never be alone. My deal is cut.